Nous sommes ici dans le verger de Jean-Pierre et c'est un endroit qui est très important pour nous parce que ça rassemble à la fois le terroir, le sol, le climat, le savoir-faire de la famille Jaubert qui travaille ici depuis des dizaines d'années et des variétés d'amandiers de Provence. Et c'est tout ça qui va faire que quand on parle de traçabilité, on parle vraiment d'une chose qui est très importante pour nous depuis le verger, la plante, jusqu'au produit fini. L'amandier est un arbre qui fleurit quasiment le premier à la fin de l'hiver et qui annonce le printemps avec de très très belles fleurs, très parfumées. La pollinisation se fait chez nous de manière naturelle. Vous voyez qu'il y a pas mal d'herbes et tout, les insectes font énormément de travail. Tout est cultivé naturellement, ce fruit n'est pas du tout traité à des produits chimiques. Une fois la récolte faite et le cassage effectué, le fruit est stocké dans les chambres froides, sans aucun produit de conservation. C'est un climat assez dur, mais cet arbre-là a besoin de ce terrain et de ce climat. Pourquoi ? Parce que c'est un arbre qui souffre un petit peu, mais qui nous donnera un très bon fruit. Et le Mistral crée une ventilation naturelle et nous permet de vraiment bien sécher nos amandes sur l'arbre. Et nous, ce qu'on recherche, c'est cette amande charnue, cette amande avec une peau assez lisse, c'est-à-dire qui a bien été remplie. Et là, on aura un fruit parfait, une récolte parfaite.